J'adore les billes, les bibis. Oui. Les bibis à 0,25, c'est de la bombe. Et là, j'ai la custom spéciale Natsumi Defcom 1. Alors attention, c'est pimpé. On va tester ça tout de suite. Salut tout le monde, c'est Dario en mode El General Pimpas. Donc là, on est sur le terrain Village 1. Et on est en mode Capture the Flag et on a le droit de revivre 30 fois par équipe. Et aujourd'hui aussi, je compte sur vous pour plus de 1000 likes, comme ça on va faire exploser cette chaîne. J'ai tout de suite senti une différence, hein. Depuis la custom de Natsumi, tu sens la réplique beaucoup plus puissante. Je suis assez fier de vous présenter le petit point rouge que j'ai fait sous Photoshop, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette journée war a été organisée par Boss Guerrilla et la team Oupi Oupi Tai, ce qui fait que de temps en temps dans la vidéo, vous allez voir des petites Oupi Oupi Tai Girls. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne et d'activer la clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Très concentré parce que les mecs peuvent apparaître de n'importe où de cette faune. Le général est très chaud aujourd'hui. Perso, je trouve que je me place de mieux en mieux et que je me déplace de mieux en mieux. Et vous? C'est ici qu'on appuie tous sur le compteur orange pour revivre. Ok, je suis le 20ème. Là, on a Faceless, le masque. Attention, il rigole pas. Go all the way. Le badge et le patch est très claqué. Vous voyez, sa réplique, elle est très spéciale. Je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est made in Japan. Oh, je l'ai eu. Alors je peux dire que la custom de Natsumi est très pimpée, ça va beaucoup plus loin qu'avant et beaucoup plus précis surtout. Vous de compter le nombre de frags que j'ai fait dans cette vidéo. Mais attention, la prochaine, ça va être pire. Et la pluie bibi, donc je suis passé au Glock. Eux étaient très très bien cachés dans la faune. Regarde, il a de la chance que je me suis retrouvé dans cette situation là. À partir de ce moment là, showtime, d'un seul coup j'ai enchaîné. Ha ha ha!
nul. Faut savoir que c'était pas aussi facile que ça de toucher parce que les bibis sont très souvent bloquées par les arbres. Bon, je viens de faire une connerie. Sous ma scène, parce qu'il y a une fois, dans les gilets autocollants, là, je viens de l'avoir en fuite. Oh, Missa Missa, Genki. Là, c'était Bimbe. C'est bien. Nakanaka ne. Ima no umakatta. Kekko jibun wa ureshi. Mou haite, kocchi mou haite. Haite nunda. Haite, haite. Subarashi. Sugoi. Yaradimashita. Natsumi desu. Natsumi, Upi Upitai. Donc, c'est une équipière de Misa Misa de la team Upi Upitai. Et elle s'appelle Natsumi. Natsumi. Yoroshiku. Pour cette superbe petite explosion, ça va être avec le micro de la GoPro parce que le poteau avait oublié d'allumer le micro principal. Et le mec nous a dit, pour pas se boucher les oreilles, qu'il fallait dire « Oh !» jusqu'à ce que ça explose. Il faut dire « Oh !» Hey, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, super. Bon, ouais, c'était une petite game pas mal pour la première hein, sur Village One. Faut savoir que j'en ai eu deux ou trois. Non, j'en ai eu pas mal, on verra ça en vidéo. Je crois que j'en ai eu quatre en fait, je sais plus exactement si c'est moi qui les ai touchés ou pas. Mais je trouve que c'était pas mal du tout. C'est facile à s'adapter. Et tu vois, on vient de finir la game juste quand j'ai plus de bibi. Donc ça, c'était pimpé le timing et tout, tu connais. J'ai reçu un kunai de la part de... Ah non, ça va gagner au nom, King. King, de la part de King, j'ai reçu un kunai. Merci à lui, arigato gozaimasu.